Nicolas Benoît, accompagné de The Artist, Jean Dujardin, Natacha Hilliger, OSS, 117, Alerte Rouge, en Indépendant. Ils sont accompagnés des producteurs Eric et Nicolas Dreyer, Coronda. Il y avait de la place en fait pour recréer encore et s'amuser. Ça aurait été une ressucée évidemment des deux autres, il n'était pas question. Mais le fait d'être dans les années 80, le fait qu'il ait pris 10-12 ans dans la gueule, le fait de lui remettre aussi un jeune agent avec lui, de le confronter à tout ça, il y avait de la place, ouais. J'aime être un agent secret, j'aime tourner en extérieur, j'aime faire mes petites cascades, j'aime avoir le fond et la forme, c'est tout ça, OSS. Je peux pas faire 10 mètres dans la rue sans qu'on me dise « Alors, quand est-ce qu'on revoit du jardin dans OSS ? J'espère que vous l'avez pas loupé. Quand est-ce qu'il sort ? On a hâte. » Donc apparemment, oui, il y a encore de la place si on la prend. Vous savez, c'est pas la censure le problème, c'est l'autocensure, cette injonction à une forme de convention intellectuelle et humoristique dont il faut se méfier. On est fouleureux parce que ça a été terrible. C'est une frustration depuis un an et demi. On n'a pas pu présenter ce film au public. Donc là, on a une belle caresse. Oui, on peut le montrer sur le plus grand écran d'Europe, devant une très belle salle. Quel plaisir. Sur les marches du palais, salué par le public danois.